Eh bien, bonjour les amis, je suis très heureux une nouvelle fois de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre jeu Final Fantasy VII Remake. Bon, on est dimanche, enfin dans ma région il fait pas très beau, il pleut un peu, donc heureusement on a les jeux vidéo un petit peu pour nous remonter le moral. Donc rappelez-vous, la dernière fois, on avait suivi Jessie qui nous avait demandé de faire une mission particulière avec elle. Elle voulait aller récupérer de la poudre explosive dans un entrepôt de la Shinra pour essayer de diminuer un peu l'intensité de la bombe pour la prochaine mission. Donc on a décidé la nuit d'aller avec elle et d'aller l'aider. Voilà, on a su un petit peu sa vie, un petit peu. On a vu sa maison, sa famille, son père malheureusement qui est malade, qui a été intoxiqué à la Mako et qui est maintenant sur son lit inconscient dans le coma. Voilà, donc maintenant on continue, on a réussi à faire la mission, on a occupé les soldats pour que Jessie puisse aller piquer la poudre. Voilà, donc maintenant on ressort et on va retrouver Jessie. Donc on est parti, on lance tout ça. Hop, non, pas continuer, on fait charger partie. On avait trouvé aussi un autre gars dont je ne me rappelle plus le nom personnellement. Qui faisait des galipettes avec sa moto, une moto sans décoller de 450 à 500 kg, donc faut arrêter un peu n'importe quoi. Mais bon, ça c'est un autre débat. Maintenant les motos elles volent, donc bon, écoutez. Hein. Bien. La Chine a envoyé des renforts en plus. On y est, ça y est. On a été rejoint aussi par le groupe Avalanche, qui est un groupe, c'est pas composé que de nous, hein. Il est composé de plusieurs autres membres. Et qui sont venus nous aider à nous échapper. Donc maintenant, on va essayer de rejoindre Jessie pour essayer de s'échapper. D'attendre Wedge. Il va s'énerver s'il se rend compte qu'on l'attend ou qu'on le cherche. Je comprends pas. C'est pas facile à saisir pour un soldat, j'imagine. Mais bon, okay. Je lui dirai que tu t'es fait du souci pour lui. Allez. Ça, bon, ça fera plaisir. Je regarde s'il n'y a pas des coffres en passant, parce que comme on s'est échappé... Oula. Il y a des gens là. Remarque, comme ça au moins j'étais tranquille. Au fait, où est Wedge? Wedge! La flippe! On s'occupe de lui. Hey Wedge, tu peux te lever? Allez! Pardon, j'ai pas assuré. Tête est touchée. J'ai dû me prendre une balle perdue dans le derrière. Hein? Fais voir. Non mais, oh, qu'est-ce que tu fous? Oh. Wow. Sacré jambon. J'ai jamais eu aussi honte. J'appelle pas ça être touché. La balle est passée tout près, alors ton pantalon a un peu cramé. Pas de quoi s'inquiéter. T'as du pot. Une petite brûlure. Ça creuse les émotions. Oh, tu ris, Cloud? Il faut y aller. Ne perdons pas de temps. À tes ordres. Ok, bon jambon, ça m'a bien fait rire. Comment allez. On va faire pour rentrer au bidonville? Bah Jessie, que j'avais envie de tenter depuis longtemps. Elle a tout prévu, je présume. Allez, on y va. Nous vous informerons de toute évolution de la situation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Ça va. Ça va. Ça passe. Faut pas être gros. N'empêche, là, comment on va faire là? On sait pas qu'on tomberait sur la faction principale. C'était un hasard? Ouais, et ce quartier ça nous est fermé pas. Pour des raisons de sécurité. Se passe, les civils sont priés de rester chez eux. Comme si merci on de bien vouloir retourner chez vous rapidement. Il me semble avoir entendu le mot attaque tout à l'heure. Mais non, je crois que c'est encore une attaque terroriste. Tout de suite les grands mots. Ne vous inquiétez pas. Il y
Allez, on y va. Faut peut-être retourner à ta maison, non? Tu veux pas... Bon. Oula, une drôle de façon de marcher. Un peu rigide, Jesse, là. Niveau de l'animation. Allez. Tu veux quoi, piquer un camion? Hé, hey, venez par là. On sera plus tranquille. Mais où est-ce qu'on va, là? D'accord. On va passer par les égouts, un truc comme ça? Alors, attendez, parce que c'est bien beau de la suivre partout, mais regardons si on n'a pas non plus des coffres dans le coin. J'espère que ton père pourra guérir rapide. Quoi? Cloud disait qu'il aurait bien aimé manger de la pizza lui aussi. Hein? Vous êtes bizarres, les gars. Pas du tout. Hein, que t'avais envie de manger de la pizza? Ben oui, bien sûr, j'avais faim. Oui. Oh, une petite potion. C'est moi qui me mettrai au fourneau la prochaine fois. Ah, si tu veux. Ce serait super. Ouais, super génial. Attends, il faut des petites caisses un peu partout. Je sais pas où elle nous emmène. Bon, en tout cas, on descend, donc on va forcément arriver dans les souterrains ou quelque chose comme ça. De toute façon, c'était prévisible. Alors, attends. Regarde donc. Tu vois, à force d'aller vite. Qu'est-ce qu'on a, là? Résurrection. Ouh, ça, il faut que je me le mette. Bon, bien que, franchement, les combats qu'on a menés pour l'instant, ils nous ont pas tués. Hein. Alors, je vais me l'appliquer. Qu'est-ce que j'ai? Parce que là, c'est vrai qu'on a beaucoup de matériel, mais on a peu d'emplacement. Pidou, qu'est-ce que j'ai? Feu, remède et analyse. Bon, analyse est bientôt pleine. Donc, je pense que... Et la Tifa, pour l'instant... donc, ça, c'est pour les invocations, la dernière, donc c'est pas la peine. Et elle a rien du tout. Ok, donc pour l'instant, bah... On va rester comme ça. Allez, on verra bien par la suite si ça met ça déconne. Alors, on est où là exactement là? Parce que là, Jesse, elle nous emmène, mais... Ça ressemble un peu au... D'accord, ça ressemble un peu à l'entre-deux. Genre, c'est des trucs de service. Des trucs des passages techniques. Pour l'entretien des machines ou quelque chose comme ça. Je vois qu'il y a un réacteur au fond là-bas. Voilà. Mon père m'en avait parlé, mais je dois avouer que j'avais quelques doutes. Je suis soulagée de voir qu'ils sont là. Des parachutes? Hein? Tout reposer là-dessus alors que t'en étais pas sûr? Oh, ça vaut le coup de tenter quand il y a une chance sur deux. J'ai hâte de sauter. Les gars, merci pour le coup de main. J'y serais jamais arrivé sans vous. N'oubliez pas, tant qu'on n'aura pas fini la mission, Barrett et Tifa doivent rien savoir de tout ça. Je veux pas qu'ils s'inquiètent, c'est assez dur comme ça. Ouais. Allez, on s'envole! Cui-cui! Cloud, ramène Wedge chez lui. Ok. Ah, j'ai failli oublier un truc. Cloud! Mais ça va pas, non? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Mais tu veux nous faire tomber ou quoi? Et c'est toi qui dis ça! Pour le reste de ta paye, passe me voir chez moi quand on sera rentré. Attends, je suis pas prêt! Tant pis. 30 secondes! Allez, sois un frère! Non, on n'a pas que ça à faire. Un peu plus. Je suis trop maladroit. T'en as fait assez. T'as failli prendre une balle pour nous. Tu peux en être fier. Ouais. Là, y a pas à dire. On assure grave. En ce moment, c'est vrai, ouais.
C'est grâce à lui, tout ça. Ouais. Tant qu'on est ensemble, on est capable de tout. Merveilleuse petite cinématique. Décidément, Jessie, elle est vraiment géniale. Moi, je l'aime beaucoup. Allez, petite console. Charge, charge. T'inquiète, je peux très bien rentrer tout seul. J'ai eu un peu chaud aux fesses, c'est tout. C'est bon, je vais te raccompagner. T'es gentil! Arrête de couiner. C'est par ici! Tu crois que Jessie et Biggs sont. Bon! Après cette superbe vidéo, j'aurais préféré sauter avec Jessie, mais ça, bon. Voilà. Alors, on est arrivé où? Ah oui, d'accord, c'est. On est de nuit déjà. C'était les grottes où on faisait les quêtes la dernière fois avec Tifa, mais deux jours. D'accord, donc je sais où on est. Ok, parfait. Allez, on avance. Bah du coup, on va peut-être voir où il habite, parce que j'avoue que je ne sais pas où ils habitent, tous ces gens. C'est moi, ou... Même Jessie, je ne sais pas où est sa maison. Alors attends, rien de nouveau pour lui ? Cloud, je compte sur vous pour toujours m'aider à avancer dans mes recherches. Oui, je sais. Non, il n'y a rien. J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports de combat. Alors, il y avait un autre détail, je vérifie quand même par rapport au jeu de 97. Mais souvenez-vous, quand on avait... alors attendez, je sais pas où est-ce qu'on peut le voir, peut-être dans les inventaires. Quand une matéria arrivait au niveau max, de mémoire, elle se dupliquait pour en faire une deuxième. Qui repartait, elle, du niveau 1. Je voudrais savoir s'ils ont gardé le même principe, parce qu'on en a une qui est à fond. C'est Auto-Soin, qui est ici, qu'on a monté au max... Et je vois dans mon inventaire que j'en ai pas d'autres. Donc ils ont arrêté ce système-là. C'est dommage. Parce que moi j'aimais bien ce principe. Par exemple, on achetait ou on trouvait une matéria unique. Genre, je vais dire une bêtise, genre Ifrit. Et quand on arrivait à la monter au maximum, elle se dupliquait et on pouvait la mettre sur plusieurs personnes. Donc, c'était sympa comme principe. Comme ça, on pouvait avoir par exemple sur 3 gars dans ton équipe, et ben, y avait les 3, ils avaient Ifrit sur eux. Alors que là, c'est pas possible. C'est dommage qu'ils aient pas gardé ce principe de duplication de matéria. Comme ça, au moins, ça te faisait aussi des économies. Mais bon, c'est pas le cas. Alors, on avance. C'est dommage. Alors, mon gars, où c'est que tu habites? D'accord, tu habites là. Je vérifie. Attendez, je reprends un rond-point de repère. Le gros tuyau par terre. Ok, allez. C'est ici, chez Biggs. On dirait bien qu'il est pas encore rentré. Apparemment. Il doit encore être en pleine réflexion. Il fait toujours le point après chaque mission. Il cogite tellement qu'il en a de la fièvre parfois. J'aurais pas cru. Ça m'inquiète un peu quand même. Mais bon, allons voir chez Jessie maintenant. Ah, alors ça c'était pas chez lui. D'accord, c'était l'autre qui a sauté avec Jessie. D'accord, bon, ok, j'ai repéré. Jessie, elle est où maintenant? Il nous montre en fait où c'est qu'habite tout le monde, quoi. Toute l'équipe. Très bien. C'est okay. Ici qu'habite Jessie. Par contre, les hommes n'ont pas le droit d'entrer. Elle vit en coloc avec d'autres aspirantes actrices. Va pas essayer de t'introduire en douce, surtout. T'inquiète. Et au cas où, il faut que je te prévienne. Elles adorent toutes les ragots. Elles sont pas au courant pour Avalanche ? Non, ça va. Jessie est bonne actrice. Ah, encore un petit conseil. Tu devrais pas trop la prendre au sérieux, tu sais. De quoi tu parles? Mais bon, toutes les femmes sont des comédiennes. D'accord, donc en gros, toutes les avances qu'elle te fait, ne les prends pas au sérieux, quoi. Elle est en face de la cour d'enfants. Voilà, ok. Mais c'est qui, une enfant qui est toute seule, là? Qu'est-ce qu'elle fait, là? Bah c'est surtout ma petite, qu'est-ce que tu fais toute seule la nuit, quoi? Bon, mettons. C'était un détail. Alors, ok, on sait où est Jessie. On sait où est Biggs. Biggs. Et lui, il habite où? Je
Il habite où les petits minous? Oh, avec les chats. Voilà, c'est un mec bien. Du calme, Flo-Flo, Giba, Patty. Venez faire coucou. Aujourd'hui, c'est eux trois qui montent la garde. Oh, ils sont mignons. J'y vais. Merci de m'avoir ramené. Je t'en prie, et soigne-toi bien. Ok, mon frère, c'est gentil. Si tu pouvais éviter de m'appeler comme... N'ayez pas peur, tout va bien. Il est gentil, vous verrez. Comme un frère. Voilà, voilà, c'est bien. C'est les chats à papa, ça. Oh, c'est mes petits chats, ça. Il aime pas les chats. Alors, Flo-Flo, faut pas bouder comme ça. Oh, regarde-moi tous ces petits minous. Giba, toi, t'es toujours trop mignon. Patty. Alors, attends, je regardais s'il y avait pas un coffre dans le coin. C'est jamais. Nah. Alors, frère. Ah. Tu veux caresser un petit peu les chats, toi aussi? T'arrives à les distinguer? Bien sûr, on est une famille. Voici Flognard, Gibanitsa et Pâtisserie. Des noms à croquer. Bon, c'est pas très commun comme nom, mais enfin bon, bref. Allez, c'est pas tout ça, mais je crois que Jessie nous attend. Donc, allons retrouver Jessie. Pilou, attendez que je ne me trompe pas, je crois bien que c'était par là, à côté. Voilà. Bien! Vous êtes prêts? On retrouve notre Jessie, parce qu'à mon avis, je pense que il ne doit pas y avoir beaucoup de colocs chez elle. Hein. Allez, vous êtes prêts? On y va. Oh, te voilà enfin, Cloud! Je me disais bien que t'allais pas tarder. Alors, tiens, c'est ça. Tu l'as bien mérité, monsieur le mercenaire. Et attends un peu, ça n'est pas fini. Un bisou? Ah! Là, une fille qu'elle est bien. Tu veux bien me lâcher? Bon, alors, tu repasses me voir demain soir. Je serai toute seule. Mes colocs seront pas là. Franchement, je vois pas ce que t'attends de moi. Bon, allez, lâche-moi, s'il te plaît. Et si je te lâche? Tu viens? Je t'attends demain soir. D'accord. Ah non, 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 mais moi je viens. Attends, tu rigoles quoi, une fille comme ça? Faut pas la laisser comme ça. Faut s'en occuper. Bon, d'accord. Je vais y réfléchir. Génial! Bon, je vais préparer une pizza dont j'ai le secret. J'y mets Marquet, Luché, des Mélis noirs et de la cachérie. T'aimeras? Je sais pas, j'y connais rien. Tu sais que t'es trop craquant, toi. T'inquiète, ce sera bon, tu peux me faire confiance. Oh, bah je te fais confiance. Faites vos rêves! Mais pas trop. Bien. Eh ben écoutez, on a un rencard chez elle demain soir. Alors je sais pas, je vais pas briser l'ambiance parce que ceux qui ont joué au jeu de 97 savent très bien ce qui va arriver. Zioter la caméra au fond, on sait tous comment ça va se finir. C'est pour ça que j'insiste aussi sur elle. Parce que c'est quelqu'un, enfin normalement, s'il ne change pas l'histoire, qui normalement ne figurera plus dans les autres Final Fantasy. C'est pour ça que j'essaye de l'aider au maximum. Voilà, donc... mais j'ai pas spoilé, hein. Très bien, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Là, faut aller faire dodo, non? Un truc comme ça? Parce que là, de nuit, on peut pas faire grand-chose. Je pense que c'est ça. Ouais, ouais. L'indication nous dit d'aller chez nous. Eh bah écoutez, allons chez nous. Allons faire dodo. Allons faire dodo. Et le toutou, il est toujours là, lui. Eh oui. Oh, dis donc, mon toutou, tu bouges pas beaucoup, toi. Hein, t'es un peu statique, hein. Comme mémé, tu peux plus bouger. Allez, on avance. Hop, je présume que... Alors, on va essayer de pas le dire à Tifa, hein. Elle doit être en train de dormir. Tu m'étonnes. On va essayer de pas le dire à Tifa parce que Tifa nous aime bien aussi. Allez, je présume qu'il faut aller sur le lit. Ils savent pas fermer les portes hein, dans ce jeu. Hein. Même c'est pareil, tout à l'heure quand on était en fuite, le mec on ouvre des portes, tout le monde est ouvert, tout le monde peut savoir où on est allé. Bref, allez, on va faire dodo. Hop. Dormir jusqu'au matin, se reposer, pas maintenant. Bah dormir jusqu'au lendemain, oui. Parfait. Allez.
Bon, normalement, il devrait pas trop y avoir de cinématique pour ce genre de choses. Et je me trompe encore. Ouais. Tu t'es absenté longtemps. Je me promenais. Au fait, j'ai revu Johnny. Il se prépare à quitter Midgar. Ah, ouais, je vois. Mais toi, Cloud, tu comptes bien rester en ville encore un peu? J'ai une vieille amie ici qui a l'air un peu perdue. Si elle a des problèmes, je voudrais l'aider. Je lui ai fait la promesse. Les problèmes que je m'étais imaginés à l'époque n'étaient pas du tout de ce genre. Si tu veux en parler, je t'écoute. Mais... je rêve ou t'as vraiment changé? Comment ça? T'es devenu plus aimable, on dirait. Et c'est bizarre? C'est plutôt bien. Je pense que même Marlène n'aura plus aussi peur. Maintenant que je sais que tu vas rester là, je suis soulagée. Je tombe de sommeil. J'aimerais encore discuter, mais je crois qu'il vaudrait mieux qu'on dorme un peu. Ouais. Bonne nuit, Cloud. Bonne nuit, Tifa. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je peux appuyer sur menu, mais... je pense que... ça fait rien. Voilà, qu'est-ce qu'ils nous veulent? Dors. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Maintenant, tout le monde peut les voir. C'est curieux. Bon, ok, c'est pas grave. Oui, alors, j'ai fait carré tout à l'heure. Menu, je pensais que ça allait l'ouvrir pendant la cinématique. Ça l'ouvre maintenant. C'est pas très très grave. Hein. C'était juste au cas où si j'avais acheté des trucs particuliers, que je puisse les remettre. Mais, donc là, pas besoin d'aller dans le menu. Et lancer le combat, mais vas-y. Allez, on y va. Oh, ils sont plus costauds que dans la vidéo avec Iris, hein. Allez, on a les barres d'ATB, on y va. Ah, pardon, excusez-moi, je me suis gouré de bouton. Allez. Ok. Combat normal. Ah mais attends, justement, je quitte ma transe. Voilà, attends, il y en a un peu partout, j'ai du mal à voir où c'est qu'il faut taper. Ah voilà. Alors attends, hop, excusez-moi, j'étais dans le mode de combat. Compétences, bah on va se refaire. Voilà, changement de stase et on y va. Je sais pas trop. Ils deviennent visibles quand on les touche. Mais à part ça. Ok. Les soldats ne savent pas. On sait au moins qu'on peut les vaincre. Ouais. D'accord. On a fait le ménage ici. Bon, tout le monde est rentré chez soi. Ok, allez, on y va. Ah zut, j'ai pas fait analyser, j'aurais dû, tiens. Mais bon, on en aura d'autres. Voilà. Allez, on avance. On y va. Ici aussi. On dirait qu'ils veulent nous empêcher de passer. Cloud, par ici. Bah, allons-y.
Vas-y, je te suis, ma grande, non? Là. Oh non, c'est pas vrai. C'est un véritable déluge. Ok. Te laisse pas emporter. T'inquiète, je te suis. Allez. Qu'est-ce qu'il faut faire? La caméra bouge pas, mon joystick ne bouge pas. Ça y est, on y va, on peut avancer. Ah, dis donc, ils sont nombreux. Alors tout à l'heure, dans la chambre, pendant la cinématique, il me semblait avoir reconnu la voix de Sephiroth. Mais je peux me tromper. Laissez ma copine tranquille. On va s'en occuper, tu vas voir. Créature du néant. Bon, attends, on va essayer. Voilà. On va essayer de se faire d'abord les petits trucs tranquilles. Je me demande si on peut pas déclencher Ifrit, là. C'est dommage que c'est pas nous qui choisissons. Ah oui, je voulais faire analyser aussi. Ok, allez. Créature du néant, on va faire analyser. N'empêche que sa vie est remontée. Mais elle se remplit plus rapidement parce que la créature est interrompue. 1500. Bon. Ok. Je t'attends. Allez, je voulais voir. Voilà, déjà. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ok, petite. Non. Pas analyser, je vais faire transpercer. Créature. Ok, je sais pas trop ce qu'il faut faire. On tabasse. Voilà, en choc. Allez, change de trans. Allez. Voilà. Le temps de changer entre bravoure de soldat et combat normal. Oula, Jessie. Mais pourquoi? Jessie. T'es blessée? J'ai trébuché. Circuler, y'a rien à voir! Bordel, c'était quoi ces serpillères volantes de merde? Bah, dans un tel dépotoir, ça m'étonnerait même pas que ce soit une nouvelle espèce de mutant. Je te jure, c'est la faute de ces réacteurs. Ça va aller? J'aimerais te dire qu'il n'y a aucun souci, mais bon. Ça commence à être un peu gênant. J'arrête pas de t'obliger à venir à mon secours. T'en fais pas. Et ben voilà, tu sais faire preuve d'un petit peu de galantisme. Hein? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé à la jambe? T'as pas trop mal? Pas de quoi paniquer. Je sens presque rien. Quand même, il vaudrait mieux que tu te reposes un peu. Je peux pas. Oh. Oh. T'es pas en état. Tu vas tenir la boutique. Hein? Comment on va faire pour la mission? Biggs s'est déjà infiltré, je te signale. Tu veux quand même pas qu'on annule maintenant? Je ferai ta part du travail. Et c'est bien ce qui m'inquiète. Dans ce cas, c'est moi qui vais devoir mettre les bouchées doubles. Dis-moi... Tu serais prêt à partir maintenant? Oui, mais prévois un bonus. Ok, pas de problème. C'est réglé. Cloud, viens avec nous. On peut reprendre la mission.
Je compte sur toi pour mettre une belle pagaille. Wedge, tu vas t'occuper de Marlène et Jessie. Hein? Mais je suis en pleine forme, moi! Y'a qu'à toi que je peux demander ça. Prends bien soin d'elle. Bon, c'est reparti pour un tour. On va détruire le réacteur numéro 5. On se prépare chacun de son côté, et on se retrouve à la gare. Prends ça pour tes faux frais. Et t'as pas intérêt à venir te plaindre du montant. Je compte sur toi, monsieur le soldat. Oh, preuve de respect. Bon, eh ben... Que d'histoire, on a gagné. Je pense qu'on a gagné un petit peu le respect de Barrett aussi. Ça y est, elle nous appelle monsieur, ça change. Et voilà. Et Jessie, bah, tiens, je pensais pas qu'elle allait. Ah, on peut aller dans le bar. Je pensais pas qu'elle allait se quitter. Alors attends, on va essayer de lui reparler. J'ai encore loupé une occasion de monter sur scène. Je dois être trop sensible au trac. C'est pas possible. T'en auras d'autres, des occasions. Ah, t'es en train de me consoler là? Bah oui. C'est gentil. Hey, tu dois toujours me faire une pizza, hein? Je reste ici, t'inquiète. Je protégerai le bar. D'accord, alors. Voyons voir. Tac, 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 on peut aller par là. Pour la première fois, on peut passer le bar. Donc. Je pense qu'on n'a aucune interaction avec les boissons ni quoi que ce soit. Non. Attends, il y a une petite fleur, là, ou je rêvais? Ah bah tiens, la fleur qu'on a offert à Tifa, regardez, elle l'a mis dans un petit vase. Sur la gauche, à côté de la lampe. Ah ouais, elle l'a gardée. Putain, tous ces détails. Ok, la cuisine, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien du tout. Petit four micro-ondes, de quoi laver, ok. De quoi faire la bouffe. Bon, c'est pas un restaurant, mais... là, il n'y a rien. Mais ce que je comprends pas, c'est le pourquoi du comment. Pourquoi ils nous ont mis ce genre de détails? Pourquoi on peut aller de l'autre côté si on peut faire rien du tout? Bon, écoutez... Tant pis. Le jukebox, on ne peut pas. Si, on peut. Si. Bon, après, de toute façon, on n'en a pas trouvé d'autres. Voilà. Donc, on continue. Je vais peut-être faire une petite sauvegarde, tiens. Tant qu'on y est. Ça fait quand même 30 minutes qu'on a commencé. Sauvegarder. Voilà, comme ça, au moins. Ça, c'est fait. Bon, au moins, Jessie va rester en sécurité. C'est déjà ça. Et du coup, je pense que l'équipe va se composer de moi, Barrett et Tifa. On va enfin avoir le trio de départ. Je pense que ça va être ça. Allez, on continue. Est-ce qu'on a une interaction avec notre amie Tifa? Bon bah, oui. Allons-y. Tifa, détends-toi un peu. Hein? Je sens que t'es stressée. Ça va, merci. Allez, je suis prête. Alors, l'équipement des personnages absents du groupe peut également être modifié. Il est préférable de réattribuer leur matériel, accessoires et autres fonctions. Oh, ça veut dire que ça se barre quand ils quittent le groupe? Ok, voyons voir un peu comment ça se goupille. Bah là, de toute façon, elle était dans notre groupe, donc normalement, il n'y a pas de soucis particuliers. On a fait plein de combats, on peut peut-être augmenter les aptitudes des armes. J'y ai pas pensé. Ah, Barrett, voilà. C'est ça le truc. Barrette. Barrette. Mitrailleuse, bon. Toujours rien. Bracelet de fer. Peut-être changer un peu. Qu'est-ce qu'on a là? Ça, non. Et bracelet de bronze, non. Et au niveau. Lui, il est quoi? Prendre la force. Bon. Rien. Mais du tout concernant les matériaux. Donc lui, il avait foudre, soin. Ah oui, on peut pas dupliquer. Ok, bon. Bien, ça fait foudre, soin. Je pense que soin, on l'a déjà. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? C'est quoi protection? Permet d'utiliser barrière. Ah, les fameux barrières. Ah bah oui, ça c'est très important. Ça, c'est très important.
Bah écoutez, comme on n'a pas beaucoup d'emplacement de matériel, on va rester comme ça pour le moment. Alors, amélioration d'armes. On va commencer par Cloud. Combien on avait d'emplacement? On a 9 trucs. Changer de noyau. Hop là, voilà. Donc... Ah oui, il nous en faut 6. Ok, très bien. Sa défense physique. Attaque magique. Oh, de toute façon, il faut tous les prendre. Donc, bah, voilà. Hein. Ça, c'est fait. Ensuite, ça, c'est fait. Tifa. Tifa. On n'a pas fait beaucoup de combats avec Tifa. Donc, normalement, elle devrait pas avoir beaucoup de PA. Elle en a 13. Non, elle en a pas 13. Elle en a combien en stock, là? Ah si, 13. Donc, on va déjà terminer ce sphérier. Voilà. Donc là, attendez, j'enlève la caméra juste pour lire un petit peu. Liste des aptitudes. Ok. On va à l'autre. Elle a 9 points. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attaque physique, PV plus 150, dégâts de dragon descendant plongeant. Ouais. On va prendre les attaques physiques. Concentrer sur l'attaque pour le moment. Ok, ça c'est vu. C'est dommage que dans le sphérié on puisse pas passer d'un personnage à l'autre aussi. Et Barrett, il avait 20 PA. Donc 20 PA, je pense qu'on peut au moins lui augmenter des trucs. Parce qu'il avait pas grand chose, il me semble. Hein, qu'on avait rien utilisé chez lui. Hein. On va au moins faire la première sphère. On va faire la première sphère. Donc là, je pense qu'on a assez pour faire toute la première partie. Allez, hop. Voilà. Et la deuxième sphère, on n'a pas assez. Ok, emplacement de matériel supplémentaire. D'accord. Très bien. Ah, on a gagné un emplacement de matériel. Donc, je vais l'utiliser. Arrête. Bien. Non, c'est pas ça que je veux, c'est insérer des matériels. Donc, on a dit protection, soin et résurrection. Bon, bien que lui, il est pas... Qui c'est qui a le plus de magie, là, dans le groupe, là? 37, c'est moi. D'accord, c'est lui qu'on a le moins. Ouais, bah, de toute façon, je ne sais pas. Voilà, on va rester comme ça pour le moment. Allez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle nous suit, elle nous suit pas? Je présume que là, il faut aller à la gare. Hein. C'est bien ça. Je vérifie quand même le trajet, mais je pense que c'est ça. Oui, c'est ça, faut aller à la gare. Et toute cette partie-là... Ah, mais si, on l'a déjà faite. D'accord, si, si, autant pour moi. Tout ça, on l'a déjà fait. C'est grisé, ça veut dire que c'est peut-être pas accessible pour le moment, mais au moins, on l'a fait. Eh ben, écoutez, on va à la gare, hein, puisque c'est ça. Parce que je pense qu'au niveau des accessoires et tout ça, des commerçants, il n'y a plus grand-chose. Alors je pourrais aussi m'amuser à faire un peu d'XP, c'est-à-dire revenir combattre les créatures qu'on a faites précédemment dans tous ces coins-là. Si je vois que je galère au bout d'un moment, c'est ce que je ferais, mais là, bon, pas besoin. Allez, on va à la gare et on tabasse. Attendez. Oui. Je pense que si ça suit l'histoire du jeu de 97, on pourra, quand on reviendra ici, ça sera vraiment plus pareil. Donc, et je pense qu'on ne reverra plus Jessie. J'espère que je me trompe. Cloud, vos capacités sont bien supérieures à tout ce que j'avais estimé. Cloud, merci pour votre coopération. J'ai du nouveau en matière de matéria. Ah. Parfait. Qu'est-ce que tu as? Turbo ATB. Oh. Permet d'utiliser la chose ATB. Alors. Excusez-moi, j'ai pas lu. Matéria permettant de doubler le remplissage de la jauge ATB en appuyant sur rien. De même qu'une... Plusieurs... Ne peut pas être utilisé plusieurs fois de suite. Ah. Bah écoute. Rechargement 20 secondes. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant, je le prends. C'est intéressant, c'est intéressant.
J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports de combat. Ok. Bah écoute. Alors, attends, j'ai vu qu'il y avait une musique tout à l'heure. Voilà. Maintenant, on peut l'acheter. Apparemment. Mais c'est notre héros, le mercenaire numéro 1 du secteur que voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il fallait ? Dites-moi tout. La totale. Je veux la totale. Objet. Donc, on va acheter ça. Attends. J'ai dit que j'en veux un. Ok. Là, j'en ai plein, donc c'est pas pour le moment intéressant. Ok. Eh ben écoutez, va peut-être s'équiper, non, là, cette nouvelle matéria. Hop, qui c'est qui peut l'équiper? Qu'est-ce qu'elle a, elle? Chakra et glace. Altération d'état poison. Je vais essayer de changer. Analyse turbo ATB. Au moins pour l'augmenter. Elle a quand même 5 étoiles. Comme les anciennes matérias de 97. Donc on va bien voir. Allez, on avance. On avance, on avance. J'ai vu que Barrett était là. Je regarde. Il n'y a pas de truc particulier. Ah, là, il n'y a plus le train. Ça nous permet de voir ce qu'il y avait derrière. Ça ressemble un peu au cimetière des trains qu'il y avait dans l'ancien jeu. Si jamais ça ressemble à ça. Avant de parler à Barrett, hein, je fais le tour rapidos. Hein. Je veux juste voir s'il y a des coffres qu'ils ont rajoutés. Non, apparemment, il n'y a rien. Il n'y a pas d'interaction avec des nouveaux personnages. Allez, on y va. Par la Barrette. Bon. On commencera la mission dès qu'on sera dans le train. T'es prêt à y aller, j'espère. Bien sûr. Biggs, j'espère qu'il s'en sort là-haut. Faut qu'on se dépêche d'aller le rejoindre. Et un autre jour, ça marcherait pas ? La machine est lancée, c'est trop tard pour l'arrêter. Trop de gens sont impliqués dans cette opération. Et puis, on a posé un ultimatum. S'ils arrêtent pas les réacteurs, on en refait sauter un aujourd'hui. C'est leur faute qu'ils assument. Restez tranquille. Oui, ils sont tendus, hein. Ils sont tendus, ils sont tendus. Mais bon, Barrett, il est à fond, hein. Lui, ce qu'il veut, c'est que tout redevienne normal et qu'on arrête les réacteurs Mako. Mais bon, c'est vrai que peut-être un autre jour. Ceci est un message de la compagnie Chakra à l'attention des passagers. Le groupe terroriste Avalanche a menacé de détruire un réacteur Mako. Des mesures extraordinaires ont été prises pour assurer la sécurité des installations et du public. Pour ces raisons, les horaires des trains sont fortement perturbés. Notre arrivée à la gare du secteur 4 est donc prévue avec un certain retard. On va se faire le réacteur numéro 5. À partir de la gare, on se faufilera par les ruelles. Quand on sera dans l'enceinte du réacteur, on fera comme pour le numéro 1. On va jusqu'au réservoir. Exactement. Et boum, on le fait exploser. Jesse et Wedge comptent sur nous. Va falloir se débrouiller sans eux. Ouais. Ok. Elle est pas d'accord, hein. Elle est pas d'accord. Eh ben dis donc, y a pas grand monde. La nouvelle s'est répandue, et bien plus vite que Biggs ne l'avait prévu. On se fera repérer si on est ensemble. Vous deux restez ici. Et ben ça y est, nous revoilà dans le train. Donc bah écoutez, on y retourne. Je pense qu'on va avoir une petite interaction avec Tifa.
Et puis, bah, je pense que la mission est mal barrée. Bonjour, madame. Oh, ça va. On avance. Allez. On va peut-être nous dire pourquoi la méthode, ça lui convient pas, peut-être. Cloud. Oui. Attention, nous arrivons à la zone de contrôle d'identité. C'est la première zone de contrôle. Ça devrait aller, non? Je sais bien qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais ça m'angoisse quand même. Allez, courage. Tu vois? C'est passé. Tu veux pas aller voir s'il n'y a pas de problème dans le wagon d'à côté? Ça me tracasse un peu. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah arrête, tu sais. Il est généralement assez irritable avant une mission. J'ai peur qu'il fiche la trouille aux autres passagers. T'inquiète pas. S'il te plaît, Cloud, tu veux bien me rendre ce service? Je reviens tout de suite. Je te remercie. Bon. Peut-être avoir peut-être une explication avec Barrett, finalement. Alors attendez, on a encore une petite interaction. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas comment tu fais. C'est parce que j'étais soldat. La force. On s'habitue. C'est bon à savoir. Allez. On continue. Bon bah ça va. Y'a pas trop... Oh, pop, 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 y'a une matéria. Et maintenant, vous continuez non à les soutenir. Je peux pas bouger. Y en a plus que marre. Avalanche est une plaie. Oh là là. Hein? Ah, à cause de leurs menaces, tous nos services sont désordonnés. Les gens sont complètement affolés. Mais je me battrai. Non, c'est tous les employés qui se battront. Les réacteurs continueront de tourner. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? S'il y a un problème, je vais te dire un truc. Non, ça va. Roquet de merde. Tu sais très bien que ça vaut pas le coup. Oh. Ça y est, on peut avancer. Allez, on a calmé la bête. On va essayer de récupérer une petite matéria. Ça va être quoi cette fois? J'adore les surprises. Matéria de soins. Comme ça, ça nous en fait 3 normalement. Et on donc un chacun. Oh. On va bien voir. Petite interaction. Mieux de pas la laisser seule. Tifa qui me dit va voir Barrett parce que j'ai pas confiance. Barrett qui me dit va voir Tifa parce que j'ai pas confiance non plus. En fait, vous voulez pas que je reste à côté de vous deux, quoi. Donc je vais dans mon coin si ça continue. Bonjour madame. Je peux rester avec vous? Non, parce que j'en ai deux là, ils veulent pas de moi. Allez, on va maintenant, on la rassure. Ah bah elle est plus là. Où c'est qu'elle est? Ah bah elle est au fond. Ok. Allez. Allez. Carte suspecte détectée. État d'alerte déclenché. Contrôle du dernier wagon imminent. Début du ratissage de sécurité. Oh non! Départ là! Où se grouille? Cloud, détruis ces appareils! Je m'en occupe. Allez! Et ne vous inquiétez pas, j'en fais mon affaire. Ah bah, change. Attendez. Non, bravoure de soldat. Putain, j'ai du mal entre bravoure de soldat, combat normal. Voilà. Voilà. Voilà, ça passe tout seul. Ah, regardez, on a même endommagé les banquettes. Oh, c'est cool. Ils ont pris en compte les dégâts. Allez. Voilà. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous serez plus en sécurité là-bas. Je suis un employé de la Shinra, votre ennemi. C'est pas le moment. On va protéger tout le monde.
Dans ce cas, je m'occupe de Zagran. À mon tour. Ah bah c'est direct, hein. Ça n'en finit pas. Bonne observation, monsieur le soldat. Laisse tomber. Hein? La gare sera sûrement encerclée. Il faut qu'on saute. T'es malade! Suffit de faire freiner le train. Alors on passe au plan E de Biggs. Passons d'ouvrir les portes. Et que t'as pas besoin de donner un coup de poing sur le bouton, hein. Juste appuyer dessus, ça suffit. Bien joué. Ça va, Tifa? Oh là là, c'est beau. Voilà. Oh. Tifa, tu peux te battre? Sans problème. Allez, super. Allez, on les tartine. On y va. C'est pas fini. J'arrive. Et pourquoi? Non, c'est... Oh. Et allez. T'es foutu. Fini de jouer maintenant. Voilà, c'est bon. On va terminer. Alors attendez. C'est bon. On a le temps. Voilà, je regarde ce que j'ai d'abord. Alors, on peut effectivement se reposer ici. 1500. Oh, ça va, je suis bien. Acheter boutique. Ça va, Barrett? Tu t'en sors? Bon, bah, parfait. Feu, glace, food, soin, blablabla, blablabla. Ok, bon, il n'y a rien de nouveau. J'aurais pu croire, tu sais, qu'ils mettaient un nouveau truc. Bon, ça ne bouge pas. Et que dalle. Allez, on est bon. Il n'y a rien d'intéressant. Allez, on fait marche arrière puisqu'il est, il a sauté avant nous, donc il est forcément avant. Alors. Mais t'inquiète, ma chérie, c'est normal. N'importe quoi. Je savais bien qu'il y avait un coffre. Allez. Super potion, oui, bah écoute, hein. Complète l'inventaire. Hein. Ah, il me semblait avoir vu passer un train. Bon. Vous savez quoi, on va s'ajouer sécure. On va rester au milieu. Quoi? Pourquoi ça tourne comme ça la caméra? Ah, ça charge. Splendide, oh oui. Ils ont donc passé la phase de nettoyage. Oui! Cette vermine est tenace. Vous avez laissé le troisième en vie, j'espère. Il est pris au piège. Laissez-le rejoindre les deux autres. Bien, à vos ordres. Il est chaud, lui aussi. Bien. On n'est pas du tout contrôlé. C'est pas du tout fait exprès, tout ce qui se passe, là. Je l'avais dit, Barrett, au début, que c'était pas le bon jour. Je l'avais dit. Ouh. Ça sent la matière entre les deux, là, non? Ils sont là! Ah, j'avais pas vu. Envoyez les renforts! C'est le moment d'en finir! Adieu. Hop! Voilà, et le dernier, il est où? J'arrive! Hop! Voilà, on avance. Allez. Bon, je pourrais utiliser les matériaux. Bah non, les matériaux, c'est pas nécessaire. Pour l'instant. Déjà fini. Alors, c'est moi ou c'est un reflet?
Ouais, c'est vicieux de loin, on aurait pu croire que c'était une Materia, ils ont mis la même couleur en plus. Mmh, ils sont vicieux. Oh les petits saligots. Bien, ici... Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Ouais, donc de toute façon, ils ont mis à chaque fois les mêmes types d'éclairage. Alors dans le set aussi, on prenait... Tiens, il est là-bas. Allez. Ok, on passe par l'escalier. Ouais. Donc, ce que je voulais voir tout à l'heure, c'est qu'il y avait l'air d'avoir un... Attends, ma grande. Je voulais juste voir, il y avait un truc ici. Ah non, d'accord, c'était fermé. Ok, autant pour moi. Allez, hop. C'est l'escalier pour aller de l'autre côté. Oui, 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 c'est bon, j'avais vu, t'inquiète pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les coffres. Il n'y a pas d'objet, il n'y a rien. Allez, on peut monter. Hop, on monte, on monte. Voilà. La caméra qui tourne toute seule. Voilà. Arrête de crier. Faut vite l'aider. T'inquiète pas, t'as. T'inquiète pas, tout va bien. Peut-être avoir une... Alors attends. Ils sont trois. On doit les capturer. Voilà. Allez. Ça va le faire. Attends, j'avais pas vu les grenadiers. Attends. Ah, je me gourde de bouton. Non, je veux pas lui, je veux celui qui est au fond, voilà. Ok, calme-toi, Barrette. J'espère qu'on a réussi à les semer. Mais oui, t'inquiète pas, on va vérifier le trajet et on va reprendre la mission rapido sans problème. Donc on va suivre le plan E. Je t'écoute. Normalement, on devait suivre le plan A. Consistait à aller directement au réacteur Mako à partir de la gare. Maintenant, on n'est plus en position de faire ça. Mais c'est pas grave. On avait prévu plein d'autres plans au cas où. Suivant la distance au réacteur, on a le B, C, D, etc. Ça va jusqu'où comme ça? Jusqu'à peu. Comme etc. On a de la veine. On a pris la ligne du secteur 4. Elle relie le pilier principal au plateau du secteur 4. Et là, on est à côté... sur la ligne du réacteur numéro 5. On va commencer par suivre la voie en direction du réacteur. Mais attention, on ne va pas jusqu'à la gare. On va bifurquer en cours de route. Les gares des réacteurs sont trop risquées. Je suis sûr qu'elles vont grouiller de gardes Shinra dans tous les coins. C'est par là-bas. Nos camarades du secteur 5 ont marqué le chemin. On risque pas de se perdre. On y arrivera, j'en suis sûr. Mon intuition ne me trompe jamais. Ouais. Le pauvre Barrette qui se rend pas compte de tout ce qui se passe. Nous avons déjà commencé l'opération. C'est un peu plus tôt que prévu, mais la situation est sous contrôle. Bien sûr, tout se passera comme vous l'avez ordonné, Président. Oui. Faites-moi confiance. Merci. Excusez-moi. D'après le dernier rapport, l'analyse des données avance à un bon rythme. Cependant, les pertes sont plus importantes que prévues. Nous craignons que... Mais à quoi êtes-vous donc payé, bande d'incapables ? À vous lamenter inlassablement sur le passé ? Hein ? Il y a des pertes. Qu'est-ce que ça peut me faire? Il faut savoir sacrifier ses pions, parfois. Oh putain, le con. Si vous n'en avez plus assez, vous n'avez qu'à en faire venir autant que nécessaire du secteur 3. Ça vous fatiguerait de faire preuve d'un peu de chuchote de temps en temps? Hein? Compris.
C'est dur de travailler avec des subordonnés incapables. Sur ce point, on peut dire que le président est très chanceux. Il peut compter sur moi pour exécuter ses ordres. Et un coup de matraque dans ta gueule, ça te dit ?